Bonsoir, messieurs, dames. Au fond, je vois les ladies de Lille. Sur la terrasse, j'ai vu des gens, des classiques. Je vois un peu de la famille et un peu des amis grands saint trois, tous venus pour faire la fête de la musique. Eh bien, c'est bien cool tout ça. On me regarde. On se dit, oh mon Dieu, il a vu, je vais le regarder. On écoute mon timbre vocal. Je dis, mon Dieu, mais c'est quoi ces voix? Les éléphants sont en train de s'accorder. À ma droite, Anatole Zéphyr au clavier. C'est pour toi, Anatole. Merci pour lui. Plus connu sous le nom de Vandou parce qu'il souffle des quatre directions, ça vous le verrez tout à l'heure. Mais hier, on avait dit qu'on ne le dirait pas. Ouais, j'ai aussi sur ma droite Thomas Faye, la petite basse-lap du troupeau. Diantre, je peux faire du bruit avec ça. On avait dit fait tout de suite. Franck Manceau à la batterie. Hit ce gars la banane. Et à ma gauche, commandant de bord exceptionnel, directeur artistique. Non, il aime pas ça. Jean-Paul Carême. Ouais. Au début c'était défense du noir de l'air. Oui. Et maintenant on va balancer un petit peu de lumière avec l'essentiel. Au début, ça varie, ça fait du bruit. C'est comme ça que ça représente à vous. Thank you.
plaisir de se voir. Plaisir de se voir tout court, plaisir d'être là. Ça va, c'est pas trop bruyant? C'est vrai. On est là un peu pour faire du bruit, on n'est pas l'église. C'est bien un soir pour faire du bruit, grâce à Jacques-Lante, c'est ce soir. Bon, on va vous raconter comment ça se passait avant. Avant, quand j'étais un peu plus jeune, un peu moins enrhumé. Avant, quand je me questionnais. Tu te souviens? C'est pas... Ça remonte, hein? Ça remonte, ça remonte. J'ai été fin, svelte, mais... Voilà, maintenant je suis musclé. Et... Fallait que je rebondisse. Yeah! On va se demander ensemble où va la bouche. Pourquoi c'est bon pour faire qu'on est ici? Où va tout ça, ça sert? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Je sais pas. Thank you.
se rendre malade. Hein. Je sais pas si vous avez vu cette année, mais il y a eu des défunts quand même. Hein. On a perdu Moral, là. On a perdu Jacques Higelin. Ils sont en train de se dire, ils cassent l'ambiance. Non, mais même avec la mort, on peut s'amuser. Nous, on peut, comment dire, remercier Jacques Higelin, parce que grâce à lui, on a formé le cercle des poètes. Le cercle des poètes disparu avec Mona Lisa Klaxon. Parce que souvent sur ce coup-là, les garçons se plantent. Ouais, ils sont là dans la terrasse, ils font les malins. Là. Ah, ouais, ils font comme si ils connaissent la jungle. Mais les filles, elles sont toujours là à se dire le mec, ça connaît la jungle, t'es sûr, toi? Le mec, c'est allé dans la jungle, ça tirait sur les liens, t'es sûr, toi? Ouais, je sais, parce que dans une première vie, j'étais. J'étais une fille. Les gars, si vous voulez faire démentir les garçons, il va falloir faire du bruit avec votre organe, l'organe vocal. Ouais, parce qu'on est souvent là et on se dit quoi, ah, c'est ça la jungle. Pourquoi, c'est ça la jungle. Messieurs, à vous, s'il vous plaît. Qu'est-ce que j'avais dit, les filles? Ouais, non, on est là, on connaît la jungle. Hein? Ça devient dur, ouais. Non.
Thank you.
Ça va, on vous a pas trop dormi. Elles sont dures les choses de la vie. Hein. Dis-moi le zapping. As-tu envie d'atteindre le 7e ciel? J'ai ma fille qui m'a inventé une chorégraphie. Elle le fait. Tu passes ton temps au-dessus de l'océan. C'est comme ça que tu voyages. La tête dans les mains. Tous à coup. Je passe mon temps au-dessus d'un océan. C'est comme ça que je voyage. La tête dans les mains. Je vous dis la vie, encore une fois la vie. Elle passe. Dans 10 minutes, j'oublie un truc, je vais déjà inscrire. Peut-être qu'à la fin même on dira comment on s'appelle. Ah, mais moi, je passe mon temps au-dessus d'un océan. C'est comme ça que je voyage. La tête dans les nuages. C'est vrai, ça va parfois trop vite. On se dit tout.
Je rigole, c'est parce que je sointe de toutes parts. Je sointe. C'est pour être cardiovasculaire. On a chaud parlé aussi. Ah, mais c'est comme ça. Et quand on n'est pas devant la télé, des fois, on a les aisselles qui s'agitent parce qu'on est dans le spectacle vivant et. Terrible. C'était tout propre, ça. De quoi on parle là? Nouvel album? On cause du boulot, du travail? T'as pris un coup de poing sur les cordes vocales? On a des trucs à dire sur le travail pour nous? Travail, c'est la santé qui disait l'autre, mais ne rien faire, c'est la conserver. On a rencontré, comment dire, des gens du travail, ouais. Des petits chefs, des chefs de service, des. Oula! J'espère qu'il n'y en a pas ici ce soir. Ok, le syndicaliste 55, c'est normal. Je t'avoue que
C'est l'heure du sujet grave. Ah bon, lequel? Le sujet des gens qui tiennent leurs promesses, tiens. Ah bah oui. Hein? Tiens, on peut balancer. Aux États-Unis, un gars là, il s'est fait lire, il a dit une promesse, c'est con. Celle d'être con pour l'enfant mondain. Je sais pas, le gars là, il sépare les enfants des familles. Tiens, je plombe à chaque fois. Non, mais il est grave, quoi. Hein? Facho! C'est un facho! Ouais! Mais on va le penser, on va le chanter, mais bon, voilà. Les migrants, c'est quelque chose. Et ici, je pense qu'on. Hein? On connaît la question. Hein? Il faut du courage pour dire, on fait un peu de place, on bouge les meubles, on vous accueille. Parce que peut-être qu'un jour, ici, il y aura de l'eau jusque-là, qu'il faut qu'on se casse. Ou peut-être simplement qu'il faudra qu'on bouge pour autre chose, mais bon. Aïe, 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 qu'est-ce qu'il raconte? Il plombe. Hein. Non, mais c'est ça qui est bien à Grande Sainte, c'est qu'on peut dire le truc. Hein. La jauge est pleine, certains disent la jauge est pleine. C'est pas facile de dire non en même temps, c'est toi qui as le micro. Là. Tout, tout. Mais Thomas, tu trouves que la jauge est pleine? Non, tu disais qu'il y a des cons aux États-Unis, mais il y en a aussi chez nous. Oui, ouais, c'est vrai. Là, notre président, il a dit il faut faire de la place aux gens. Il l'a dit. Je balance, hein, mais il l'a dit. Attends, je vais charger le truc. Je vais le charger. On va parler des réfugiés, les gars. Je veux te partir.
c'est mieux que l'enfer. Une raison pour laquelle la paix les amarre. Les gardes, les pieds sur terre, car les vagues et le vent sont comme des repas. Mais ils n'ont l'esprit, plus si précieux que la lumière du jour. C'était notre classique avant qu'existe Black Mirror. Notre funky rock. Thank you.
Ah, yes. On m'a délivré de tous les vies.
es leur fille. On peut te taper dans les mains, là. Hey, on va tuer sous tous les faits que tu ne veux plus. C'est le deal, c'est le deal. Est-ce qu'il y a des gens qui sont nés autour des années 68 ? Et puis des plus jeunes aussi ? Ok. Est-ce que vous avez connu les salles de jeu ? Oui ! Donkey Kong ? Street Fighter ? Double Dragon ! Mario Bros ? Yes. Attends, j'ai une liste. Pac-Man. Yes. Donkey Kong. Yeah. Chico et... Defender. Chico de Defender en 1987. Un jeu à 50 centimes. C'était l'époque des grandes machines. Enfin, devant lesquelles on s'installait. C'est pour toi, t'es un petit jeune, mon gars. Quand on était là comme ça. Insert coin. Insérer le coin. On était dingue, j'avais 12-13 ans, fils de malade. Aujourd'hui, là, les gamins, ils ont des trucs portables. Ils jouent avec leur téléphone aux jeux vidéo. C'est de la folie. C'est dingue, c'est dingue. Installe-moi le jeu vidéo pour nous. Là devant la journée Xbox 360 PS4, la main sur l'écran, jamais la main de sa copine. Quoi ce bazar? Sans capitaine,
Avant l'époque, c'était pas comme aujourd'hui, il n'y avait pas à chaque coin de la place Turenne une banque. Il y avait une fille ou deux. Il y avait même des fleuristes qui pouvaient aller là-bas acheter des fleurs et puis à côté de l'église, regarder le truc. D'ailleurs, il m'est arrivé un truc avec une fille qui avait sur la tête une espèce de chapeau bizarre, une liste de fleurs, pour peut-être que la pluie n'abîme pas ses cheveux. Je disais tout à l'heure, j'étais en mode crie. Magnifique, c'est ça des fois, c'est important les cheveux. Il dit mais tu vas où, mais tu vas où, tu fais quoi? Attends, c'est des fleurs. Elles sont pas aussi jolies que celles que j'ai sur mon chapeau. Je dis Thank you.
sur la place du rêve. Oui, c'est pas parce que je suis sourd. Isabelle pour leur accueil, DJ, Manu, Tuki, Quanti, maximum de bruit pour vous. Et puis, comment dire, celui sans lequel on n'aurait pas pu tout faire, on a fait tout ça, David Dufour alias Leslie Ja et le Element Court. Merci David. Rafraîchissement du gosier pour un titre en 6B. Non, mais là il y a. Bon, d'accord.
Bon, d'accord. Qu'est-ce que vous voulez boire? Ah, merci, Franck. Bon, on a la bière. Une bière, tu veux? Elle est sympa, elle est sympa ta bière, Chico. Non, mais c'est la bière de sage. Je sais pas. Je sais pas. Thank you.
trop difficile. Hey, il balance. Yeah! Étrange coïncidence quand même tout ça, hein? Étrange coïncidence. Hey!
comme ça pourra. Allez, voilà. À toi. Parce qu'il est accompagné aussi par Franck Hit Grow à la batterie. Oh,
Merci beaucoup. Merci à toi les amis. Un applaudissement aux filles au clavier. Que ma faille à la basse. Franck Manson à la batterie. Jean-Paul Carême à la guitare. Au vocal, au chant, aux histoires. À dormir debout et non plus finir. Philippe Chico Corozzi. On va en faire une dernière. On est en tour de chauffe. Faut qu'on ménage les cordes vocales, tout ça, les cordes de la gratte. Et surtout, faut qu'on se préserve, qu'on garde sous le pied, parce qu'on se retrouve sur l'agglomération le 29 juin, au Bordé, à l'entrepôt. Puis si vous voulez aussi partir avec un souvenir, c'est pas cher, c'est 10 euros. La nouvelle galette, l'essentiel, l'album est là. Et là, il est où l'album? Putain, il ne faut pas me croire, c'est un ouvert là. Ah oui, non, je ne veux pas les donner cela. Là c'est crédible, cohérent. Voilà, on en a quelques-uns si ça vous tente. Dans toi, j'en ai des éléments.
Yeah.